Teen Heretics. Les équipes qui sont donc rentrées sur scène, on va en profiter de ce match Heretics contre Vitality car c'est un des rares cette semaine qui a une vraie importance car c'est encore cette qualification qui se joue du coup sur la dernière semaine. Ouais, un des seuls matchs qui est encore de l'enjeu, tu le dis Weeper. Pour les deux équipes, on a fait l'état des lieux, en tout cas les scénarios possibles sur le canapé, mais rapidement, les deux équipes sont condamnées, sont obligées de gagner leur match s'ils veulent continuer à y croire. Exactement. Donc c'est un peu plus simple pour Vita, puisque pour Vita, il faut gagner. Il faut que BBL perde contre Foot, voilà, et ses qualifications. Et pour Heretics, bon, c'est un peu plus délicat, eux ils doivent gagner. Carmine ou Koi doit gagner contre leurs adversaires et même BBL doit perdre. BBL doit perdre. Donc on verra bien ce que ça donne. On voit du coup les veto qui vous sont présentés un peu différemment, chacun sur sa tablette là, et ils sont en train de faire une partie de. Split, déjà au revoir. Ok. Donc on imagine des splits, Weeper. Bah, c'est un veto dirigé là contre Vitality, évidemment. Et donc une Haven choisie. Je sais pas, on dirait qu'ils sont en train de faire des échanges de cartes Pokémon à l'ancienne avec leur Game Boy là. Donc, je sais pas, c'est ok, on change la scénographie, il va falloir s'y habituer, mais c'est pas mal, à vrai dire. Donc Haven. Split, et c'était Pearl qui avait été enlevé au-dessus de lui, comme je disais, c'est Lotus. Elle est bien là. Sur la seconde map. Okay. Ouais, Haven choisi par Vitality, bien sûr, et Lotus par Heretics. Bon, bah là, aucune surprise à ce niveau-là. On va aller voir du coup Bind du côté des Vitality. Et là, Boo décide d'enlever avec son coach cette map de fracture. Très bien. Est pas mal jouée par Vita, pas beaucoup de résultats, mais bon, quand même une base solide sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et donc, une délicieuse Ascent pour finir. Haven, Lotus, Ascent. J'ai l'impression d'avoir vu ce veto, ce BO toute la saison. Oui. Bon, la seule surprise, entre guillemets, c'est Haven, mais bon, c'était ciblé hein, côté Heretics, on vire la split. Du coup, on va pas les laisser s'exprimer dessus, on ira sur Haven, aucune surprise du côté d'Heretics et Ascent. Très bien, est-ce qu'il y a des... Non, on choisit la défense, on commence en attaque pour Vitality pardon, sur Lotus, très bien. Avec ses veto Weeper, j'imagine que ton prono ne change pas. Non, moi vraiment, je veux que Vitality s'impose. Pour moi, c'est des trois qui peuvent se qualifier avec BBL quand même. BBL sont pas inintéressants, mais Heretics, il y a vraiment eu tellement de déchets dans leur jeu. Bah, c'est pas pour rien voilà, qu'ils ont le scénario le plus compliqué pour se qualifier potentiellement. C'est parce qu'ils se sont eux-mêmes mis dans des bâtons dans les roues avec des résultats très inconstants, avec des défaites parfois très violentes. Donc j'avoue que voilà, pour se battre en playoff, pour aller chercher un potentiel slot à Tokyo, je pense que Vitality est une meilleure équipe, même si elle n'est pas sans défaut, bien sûr. Ouais, bah de toute façon c'est leur score, hein. J'imagine qu'il te fait dire ça, hein, contre les top teams, en tout cas de notre ligue, hein. Contre Navi c'était loin d'être ridicule, contre Fnatic encore moins, je crois que c'était 13-10 hein, contre, un truc comme ça, contre ouais. Fnatic, donc c'est vraiment loin d'être ridicule, surtout contre une équipe, on l'a vu, hein, qui hier a fait le split parfait finalement, ils ont perdu une seule carte, justement contre BBL sur Ascent, donc forcément quand t'as des bons résultats contre ce genre d'équipe, bah, c'est encourageant pour la suite des événements. Après voilà, ils ont pas totalement leur destin entre leurs mains, les joueurs Vitality. Oh, peut-être avoir un petit délai, j'ai vu un joueur chez Heretics appeler un admin. Ouais, en tout cas on voit qu'ils sont déjà sur Haven et que évidemment la sélection des agents est déjà passée de leur côté. Une sélection des agents qu'on devrait pouvoir découvrir nous-mêmes d'ici 30 secondes, on m'annonce dans les oreilles, très bien. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier se dessiner ou alors ouais, on va rester dans le méta? On va avoir de la Jett, on va avoir de la Killjoy, on va avoir du Breach. Sova, du Breach et du Omen. Ok, aucune surprise. Voilà. Je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait se passer de dingue, j'ai réfléchi, mais les fades, ils ont pas trop de fades hein, de chaque côté, peut-être Destrian qui pourrait le jouer un peu. Astra éventuellement à la place du Omen. Astra, alors ça sera pas bonne call en tout cas, et
Mais le côté hérétique, ça, je pense pas non plus qu'on va avoir Vova sur Astra, ça m'étonnerait. Mais des fois, je raconte n'importe quoi. Donc, on va surtout le découvrir maintenant. Surtout qu'on a surprise vu que, ou pas, quoi. Surtout qu'on a vu que Mixwell, hein, il a sorti un petit Yoru sur Pearl en dernière seconde. Donc, éventuellement, on va voir. Allez, sélection des agents, ouais, comme prévu, hein, de Lucky Joy et du Bridge. Voilà, okay. Classique, pas de problème. Du Sova, du Omen. Attention, encore un Omen et une Jet qui arrive pour Twiston. Et Jet attention. Pour Kellogg's et du Sova. Et une Jet. Bon, la méta. Attention, ces deux équipes. Enfin, Vita en tout cas est très connue pour suivre la méta, à part sur Split. Et Heretics, bon, ils ont déjà fait les dingueries par le passé, mais là on sent qu'ils sont aussi un peu assagis. Et c'est vrai qu'Aven est une de ces maps, on a l'impression que cette composition elle fait consensus. Quoi. Ouais, deux compositions miroirs, hein, évidemment, tu l'as dit, ça fait consensus. Une composition, au final on n'hésitera pas à jouer les retakes, hein, à utiliser nos forces, hein, notamment les ultimates des Breach et des Killjoy. J'espère ne pas avoir une carte d'Aven où on va faire du full A toute la game. On voit beaucoup de A, hein, sur Aven dernièrement. Du A ou les exercés à 5, quoique c'est plus en ligue française qu'on a les exercés H24, tellement elles sont inarrêtables et maîtrisées. Bah, y a des réponses là qui ont été proposées en inter sur les exercés, notamment aussi avec la smoke de Omen sur le site, et il y a des joueurs qui sont déjà prêts en fait à épauler. Il y a beaucoup de contre-stuff, donc c'est puis plutôt travaillé. On voit beaucoup d'équipes qui laissent leur Sova tout seul en A, et qui au final renforcent en effet ce C, ce carrage des débuts pour éviter la... cette possibilité. Bah, on l'a vu, hein, le A est rarement défendu, hein, généralement c'est... Ou à 4, genre une personne ou 4, et il n'y a pas l'entre deux, quoi. Ouais, c'est ça, on joue absolument les retakes et on joue fort les espaces, on renforce d'autres espaces comme tu le disais. Donc on va voir comment ça va se dérouler pour les deux équipes. Ouais, qui vont pouvoir partir une game. Et on voit Twiston ici assis à sa place chez Vitality et qui est un élément extrêmement important. Twiston, quand il est en haut de la vague, franchement, il est monstrueux, il n'a rien à envier à Derke, à Kiwi, à Cushioners, genre vraiment, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il descend cette vague et que quand il est dans le creux, eh bien, il a tendance à déjouer, voire même à être complètement transparent. C'est vrai que c'est son problème pour l'instant qui doit être fixé. On sent un problème de confiance et du coup, par extension, de régularité qui font forcément beaucoup de mal à Vitality. Ça, c'est un problème aussi d'énormément de joueurs. Hein. La confiance en soi, on sait que sur Valorant, en tout cas sur les FPS tactiques. Même tu vois, pour un dueliste, pour un dueliste en VCT, top 10 de la région. T'as pas trop le droit d'avoir des passages à vide. Je sais bien. Et il faut que tes passages à vide, il faut que le moment le plus bas, il faut que ta moyenne en fait soit suffisante. Et c'est vrai que Twiston pour l'instant a vraiment montré du très haut et du très bas. Si tu devais donner le dueliste le plus constant là pour toi, C'est Derke. Derke, hein, toujours et encore. De... Derke, Cushioners, en vrai, je pense que ça se joue entre les deux. En tout cas, on va pouvoir partir en game Weeper. Heretics en défense, Vitality en attaque sur Aven. Ok, là, l'open kill pour Kellogg's dans le lobby, ok, qui va simplement arracher l'arrivée des bonnes. On se parle à travers la smoke pour Avova qui fera du 1 pour 1. Déjà un bel avantage pour Heretics. Oh, on a vu Kellogg's, je crois, mais on va pas le tester. Ouais, on sait qu'il y a un shérif. On va repartir sur cette longue a priori pour les joueurs Vitality restants. Oh. Mais attention, Mixwell, il a déjà enfermé. Il est déjà dans le dos. Ils sont trop bien, les Heretics. Il y a juste un petit doute middle, parce que je crois que Mixwell a push le C. Et donc tout ce qui est garage et mid n'a pas été clear. Mais on fait quand même le pari. On fait confiance à Mixwell, le joueur espagnol, qui dit les gars, moi c'est bon, restez en A, je suis bien. On déclic du côté de la longue. Ça décale d'ailleurs sur Weber, ce qui marche plutôt bien. On sera resurprendre par Kellogg's dans la short. On double décale au niveau du BP. Je sais pas trop ce qu'il attend d'Estrian. Il arrive tardivement. Il fait un doublé. Il est en 1v1. C'est déjà derrière lui. Ouais, attention, est-ce que Mixwell va pouvoir le choper? Non, il va pouvoir l'éliminer sans problème. Pendant une seconde, Destrian allait pouvoir ajuster et l'éliminer. Mais non, le pistol run ira bien pour Heretics avec un Kellogg's qui trouve l'open kill. Hein. Ouais, c'est ça, il trouve l'open kill, se replace, refait un kill. Mixwell, aucune hésitation pour enfermer et c'est ça qui fait la différence. Hein. Le flank de Mixwell qui s'arrête au bon moment et qui peut dire « Moi, c'est bon si ça repart, les gars, on est bien de toute manière. Restez fort sur votre zone et tradez-vous jusqu'à me donner un avantage dans le dernier 1v1, même si les screens n'étaient pas loin, il faut le dire. » Et le round devient dangereux, hein. Même si la défense était en place, le fait d'y aller en déclic, ça a failli retourner le round, ça passait pas loin. Ouais. Allez, un second round, économie pour Vitality bien entendu. Et on va retenter en tout cas une infiltration au niveau de ce A, et on va mettre une pression garage et on va tenter d'aller en A. C'est fait.
Et Kenos qui a juste le premier, ça file sur le second, pas de problème, c'est facile. Le Marshall, c'est toujours quelque chose. On va essayer le garage du coup dans le même temps pour les Vitality. Cette fois-ci, c'est une Bulldog, je crois. Qui pourrait... Non, c'est une Spectre, pardon. À cette distance, c'est vraiment pas optimal. Hein. Même la Stinger fait mieux. Et on va du coup s'infiltrer dans la window. Une window où il y a des timings, mais celui qui joue sur deux angles, mais c'est bon. Il a l'air de se commit maintenant sur cette fenêtre garage où l'attendent deux joueurs. Ouais, qui va être le plus patient? Parce qu'on va vouloir reprendre l'espace. Molzy finalement qui abandonne l'idée, il va repartir avec sa jet. Pendant que ouais, Destrian il fait quoi? Il met pas de pression, c'est la reveal de. Il attend. C'est la reveal de Weber. Il attend son timing, il porte le spike, on verra bien. Sur ce B il y a la tourelle qui est un peu pénible. Ouais. Stone qui veut la détruire je pense. Ils aimeraient bien passer en B, pouvoir amorcer le spike en A j'imagine, mais bon, on voit que le scénario risque d'être compliqué à. Il va dive pour essayer de surprendre Boo. C'était bien tenté, mais Boo ne se fera pas surprendre avec sa Bulldog. Et du coup, ça donne un timing à Destrian. Destrian contre Kellogg, Weber, pardon, qui s'impose et qui devrait avoir un amorçage gratuit. C'est toujours ça de prix. Hein. Ouais, bah finalement, ouais, ça se passe pas trop mal. Hein. On pourra avoir 300 crédits pour tout le monde. On est en train de reprendre. On a un télé-retendu hein, du côté de Kellogg. On a une ligne de fracture qui est prête. Elle est envoyée peut-être un peu trop tôt, ce qui permet le décal de Destrian, mais il se fera choper par Boo sans aucun problème. Molzy, repéré, smoké. Il se prend une nanite dans les pieds. On va pouvoir désamorcer le spike là. À part une immense réussite, il pourra pas faire grand chose. Voilà, c'est géré par Boo, pas de soucis. Deuxième round pour Heretics. On va bien tenter quand même le coup du stun spawn pour décaler. Non, ça se joue sur les timings, mais sur du 2v4, t'as pas trop le choix à vrai dire. Je pense qu'on se satisfait encore de l'amorçage côté Vita avec le rune qui se présente maintenant, qui va être important pour eux. Le rune anti-bonus de Bulldog, de Spectre et un Weber probablement voilà, au shérif qu'on va lui drop. Attention à ce round là. Et un full petit shield pour Vita, tu l'as dit, il faut faire attention. Et on va avoir un jeu axé sur le mid, a priori, peut-être au niveau de ces doubles portes. Ce sera à Kellogg sans de répondre de la meilleure des manières. Et il va se prendre du stuff. Hein. Ils vont se prendre du stuff, les joueurs Vita. Stun, dive de Kellogg, qui va loin et qui ouais, se retrouvera un peu smoke en main au moment du premier contact contre Descan qui ne le rate pas là pour le coup. Descan qui fait quand même un bon début de map Haven. Ouais, ils sont pas déboussolés par l'offensive de Kellogg. On a pu se cacher à temps. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant de cet avantage numérique? En tout cas, du côté d'Heretics, on se regroupe au niveau de ce B. Voilà, on va jouer une supériorité numérique. On veut créer du chaos. Ok, on sait qu'il y a encore des joueurs dans ce middle. Repositionnement d'Avova au contact et on patiente. Ça envoie des flèches électriques pour détruire les setups hypothétiques de Killjoy, mais on voit que la setup est plutôt en A. Avec du coup un stack B et ce garage contact. Garage qui va être pris par les Vitality, le stun. On n'y va pas. Ils sont ravisés. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? C'est vrai que même le Omen repart et la Killjoy en fait a cassé un robot d'alarme longue A. Et en train de dire, moi écoutez c'est bizarre, il y a le setup Killjoy mais c'était plutôt tranquille. Il continue de mettre une pression Sender et je pense qu'il hésite à appeler définitivement son équipe. Finalement on va y aller au niveau de cette double porte, on comprend qu'il y a Avova dans le coin, en tout cas on lui met beaucoup de stuff, on sait qu'il est dans le coin, il a tiré Avova, hein, c'est sûr maintenant, on sait qu'il est là et Avova, on n'ose pas aller le chercher, il a pris des dégâts mais il est toujours vivant, finalement ce serait une redirection à venir sur le site A et c'est plutôt bien senti puisqu'il n'y a absolument personne. 25 secondes et là voilà on entend du coup dans la short et puis on n'est pas très près, au final Sender n'a pas tant d'espace que ça, ce qui laisse l'occasion à Heretics de se replacer, là il n'y aura qu'une smoke, on a vu une smoke utilisée un peu plus tôt donc il n'y aura qu'une smoke sur le passage, attention est-ce que depuis la hauteur on peut en faire quelque chose, la reveal, les flashs sur l'amorçage, on a un peu de contre-stuff, c'est bon. Les Vitality ont pu planter, c'est du 4v5. Ouais, 4v5, on n'a pas les armes de la situation pour Retake, ça va forcément être délicat, surtout qu'on a encore du stuff, hein, notamment Molzy, voilà qui va envoyer sa ligne de fracture en réaction, j'imagine, ça y est, on tente pas la Retake, c'est encore trop tôt, ça y est, on y va du côté de Boo, on se fait réceptionner hein, sur le saut sans aucun problème par tous les joueurs Vitality. Premier round armé, mis avec la manière pour Vita. Ouais, c'est ça, ils sont calmes, ils réceptionnent le push. Garage des premières secondes, puis ils font une pression B, pression garage et ils reviennent sur Sender. Ça aurait quand même pu un peu vriller, okay. Je pense, sur ce finish A, puisqu'ils sont, ils sont lus et ça se joue un peu au contre-stuff. Mais au final, sur le post-plant, par contre, ils ont été largement au-dessus. On revoit, voilà, cette couverture de Destrian. Et on voit ce qu'ils mettent pas dans le mid, hein. ils détruisent la porte, ils veulent créer quelque chose, enfin, ils réceptionnent justement Kellogg, il n'a pas eu l'occasion de surprendre. C'est bien joué. Et du coup, on perd qu'une seule arme, hein, donc c'est plutôt bien pour un premier round d'armée. C'est clean. Alors ça fait une fake prise longue, on a vu la reveal, et la smoke, et l'open kill pour Kellogg. Ouf, il va chercher Twisten là dans la short, tout simplement. Solide, solide, hein, il avait tout compris, Kellogg. Twisten qui est tout seul pour contrôler, et qui est en plein milieu, je comprends pas trop, à vrai dire. Vitality qui du coup fait des petits appels de split C.
On stun, le stun qui ne touchera pas le contact, Mixwell qui pour l'instant tient en respect ses adversaires et qui finira par ça qu'il allume la fureur du chasseur d'ailleurs, qui va devoir être un peu investi. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur cette dernière? Pas vraiment. Attention. Et l'espace est pris par Bonne Call en B. Ouais, infiltration de Bonne Call, donc sans doute hein, du côté de Weber, on l'a vu, un préfire dans la smoke. On va pouvoir s'octroyer l'avantage de Spike, ce ne sera pas contesté, en tout cas pas pour l'instant. Kellogg's qui déverrouille pardon, c'est Kunai pour jouer la retake. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le garage en farming? Non, non, ok, c'est pas le plan de Heretics. On va aller chercher au niveau de ce gong. Mais Bonne Cold s'impose finalement face à vous. La paranoïa pour gagner du temps, c'est plutôt bien joué. Bonne Cold, il gagne beaucoup de temps et il se repositionne tout seul. C'est une vraie épine dans le pied, surtout qu'on punit pas là-dessus. Et Bonne Cold qui prend le kill sur un moment à l'arrivée. Elle est excellente, Bonne Cold, pas loin de faire le triplé. Ouais, Kellogg's maintenant il se prend une pluie de stuff. Les nanites sont en train de pleuvoir. Ça va être dur cette retake. Ouais, surtout qu'on a encore la réplique, on a encore une flèche. Donc ça va être difficile de toucher ce spike, ils le savent les Heretics, surtout avec cet opérateur qu'ils vont tenter de garder sur la fin du round. Bon, bien joué de la part des Vitality et bien joué à Bonne Call honnêtement. 4v5, c'est lui qui trouve l'espace en B, il permet la redirection, l'amorçage et il fait le double kill sur son backside, franchement c'est monstrueux. Un gros boulot, surtout qu'ils avaient pris l'open kill, hein. Ils s'étaient pris l'open kill hein, les joueurs Vita, donc belle improvisation de fin de round. Et ça passe, hein, égalisation pour Vitality. On a pu conserver un sniper et une fantôme ou une vandale côté hérétique. C'est ce qu'on va accompagner l'achat ou ça va être un peu trop délicat? Je pense qu'ils vont pas pouvoir. Hein. Je pense que ça va être une écho. Probablement ouais, light buy pour accompagner, c'est ça, des ouais, shérifs, spectre. Et l'opérateur de Kellogg's qui pourtant avait donné l'open kill, qui pourtant avait débloqué un peu la situation. Et là il va avoir encore pas mal de travail dans ce A. On va avoir le stun de chaque côté, la décale, à la fin des smokes, on va avoir beaucoup de personnes sur la rivière. C'est Abova qui en profite en doublé. Il fait même un TP de fou furieux mais sera chopé avant ça. Et par contre ça trade au niveau de Kellogg's et de Twiston, ce qui donne encore un avantage à Heretics 4v2. Et il y a surtout 3 joueurs dans la longueur et le spike est tombé. Donc maintenant pour récupérer tout ça, ça va être délicat, surtout que Mixwell est en train de refermer les espaces. Est-ce qu'il va choper son timing contre Sender? Est-ce que Sender va penser à cliquer le corner? Non, c'est Mixwell qui s'imposera. Il ne reste déjà plus que Twisted repéré. Est-ce qu'il va être éliminé? Non, il va tenir sur le premier et maintenant ouais, faut gérer une triple ligne du côté de Heretics. Bon courage Twisted. Ouais, après il pourrait se barrer hein. Je crois qu'il n'a pas l'information qui sont les 3, il sait qu'il y en a 2 mais il se demande où est le dernier. Updraft, il en trouve un et là il sait qu'il y avait un contact et qu'il y avait aussi la jet. Il aimerait bien continuer mais c'est la grid de trop. Kellogg's attend patiemment et remportera du coup le dernier duel. Bien joué Heretics hein, en light buy qui fait ce pari qu'on évoquait, hein, 4 en A dès le début et ça paye hein. Ouais, je crois qu'il y a eu une reveal de fou furieux aussi, hein. Elle n'a pas été détruite côté Vitality et ça coûte probablement, voilà, les 3 joueurs sont reveal et ouais, il fait ce qu'il veut après en plus hein. Avova qui en plus essaie de se téléporter, s'il arrive à se téléporter dans le dos des adversaires, c'était encore une dinguerie qui allait s'enchaîner. Nice try Twisted hein, tout de même, il était pas loin, enfin il était pas loin. C'était jouable hein, sur 1v4, il avait la bonne idée. Et réceptionné par Kellogg's. Ok, on repasse devant pour Heretics hein, sur ce petit achat, sur les armes conservées. Alors Vita qui veut se rattraper, là ils ont du mal, ils mettent des runes convaincants et puis après ils se prennent ce genre de runes un peu improbable, ils ont du mal à réagir, ils subissent et Mixwell qui était prêt. Crosshair placement dans les doubles portes, dès que la tourelle tire, il tire lui aussi. Et c'est un open kill assez gratos là sur Twisted. En plus à la fantôme, hein, pas de balle traçante, pas de vengeance possible. C'était rapide, c'était bien fait. Allez, encore une fois, Vitality qui subit l'open kill, qui sont en 4v5 pour négocier un round. Ils avaient réussi à retourner un point, notamment grâce à Bonne Call dans l'infiltration B. Ouais, mais il pourra pas le faire à chaque fois. Non, ça c'est clair. Surtout que Weber, il a repris l'information middle. On a vu repérer personne. Ah, ça a droné en A par contre. Descan a droné en A pour toucher Kellogg's, mais Kellogg's a cassé le drone et tient la ligne. Il m'a même pas activé son dash tellement il est en confiance. Il peut y aller, moi les gars. Je suis tranquille. Du coup, on demande la smoke. J'aime bien cette smoke au milieu du lobby A. On la devine sur le radar notamment. Là, ça va essayer de faire un peu baliser Kellogg's, mais Avova, il a pas trop de panique à vrai dire. Avova, il a vu le canon dépasser. Maintenant, il a les contacts et il fait le doublé. Vengeance de Sender, mais. Le mal est déjà fait, Weeper, c'est déjà probablement trop tard. On va même pas pouvoir avancer ce spike à cause des nanites. Oh, Sender, il a perdu beaucoup de points de vie là-dessus. Ouais. Ok. Et les flèches représentent encore un danger. D'ailleurs, voilà, Weber se fait attraper, mais juste avant, il aurait pu envoyer cette flèche électrique. Et c'est ce qui donne Bonne Call du coup en 1v3. Kellogg's est déjà en train de le resserrer. Il rate son premier coup de sniper. Il doit faire un hero move là. Bonne Call, 2 devant, 1 derrière. Flash, téléportation. 1v1, c'était tellement bien tenté, mais Bou a retrouvé la vision au meilleur des moments pour venger Mixwell. Ah, il lui manquait allez, une petite seconde à Bonne Cold, mais vraiment un strike, hein, plutôt bien joué. Mais encore une fois, hein, c'est les Heretics qui s'imposent avec un bel open kill. Ils ont toujours quasiment l'open kill, les Heretics, et forcément, bah, ça facilite grandement les choses hein, pour gagner les rounds. Et gros boulot d'Avova en fixe BP aussi, qui va chercher le doublé.
On va revoir le kill de Ah, il ping la ligne. Ça tire, il tire aussi. Et là, ouais, Avova qui tient magnifiquement bien. Deux joueurs qui s'alignent, ouais. Ok. Ok, Heretix qui va vraiment être dangereux. Hein, surtout qu'on rappelle, c'est le choix de carte de Vitality. Seconde carte, ce sera Lotus. Et je crois que pour l'instant, leur attaque est un peu fébrile à Vitality. En tout cas, les passages-ci ont l'air d'être super difficiles. Les prises de zone en A, elles sont pas limpides non plus. Le B était réussi, mais clairement, on sent qu'ils pourront pas refaire la même chose à chaque fois. Je les sens en difficulté quand même. Oh ouais, c'est premier clair, thème, d'ailleurs. Comment ? Oui, premier thème pour Vitality. Et tu as raison, c'est signe qu'ils sont en difficulté. Ça se voit au niveau du score, ça se voit au niveau des rounds. Il y a aussi un réel problème au niveau des open kills. Ils se prêtent tout le temps l'open kill. Ouais. Alors surtout pour composer les rounds derrière, forcément c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Changer le rythme peut-être ? Pour moi, changer de rythme, il faut qu'ils aillent plus vite sur leur prise de zone et qu'ils propulsent un peu Twiston. Twiston, il faut le libérer là. J'ai l'impression qu'il est muselé, qu'il est menotté dans cette composition. Là, il faut lui mettre des stuns, il faut lui mettre des reveals, il faut qu'il cavale un peu et qu'il libère son potentiel là. J'ai vraiment l'impression de le sentir restreint dans son rôle. Allez, est-ce qu'on va briser les chaînes de Twiston, le libérer ? En tout cas, on peut se réarmer pour Vitality. On commence à avoir des ultimates qui arrivent des deux côtés, notamment l'ultimate de Weber, celui de Boo également et le confinement de Sender qui seront des bonnes ressources pour jouer les runes et les retakes notamment. En tout cas, pas de changement de rythme pour Vitality. On va refaire un effort de prise de zone sur ce garage. Ouais, je vais aller plus vite, mais la première flèche électrique n'aura pas d'esprit cette petite joy, donc on est déjà en train de gagner beaucoup de temps. La seconde flèche permet de passer un peu dans cette double porte, mais au final, il n'y a rien. Mais la pression est là, petite nanite utilisée pour Mixwell. Et là il faut faire un second temps, il y a un drone sur ce mid qui est détruit par le contrôle de Sender. Et là le deuxième temps il est là, c'est dans la short tout à l'heure, du coup Kellogg ça l'est détruit. Il n'était pas parti là, par contre il y a un stun, mais tu vois qu'il conserve son dash hein, pour pouvoir se réouvrir une option. Oh. Et c'est encore l'open kill, il va trop vite là. Hein. Il y retourne, et il a vu hein. En plus il a vu Molzy, il va en faire un. Ouais, cette fois-ci il se prend une flash, mais il y retourne. Kellogg s'en fait peut-être un petit peu trop, est-ce qu'il peut s'en sortir? Oh, il se fera pas éliminer, il va pouvoir reprendre sa ligne. Ouais. C'est bien joué là. Quel perso de fou hein. Honnêtement, il avait mis sa première smoke et c'est la fin de sa première smoke qu'il protège de la flash qui était pourtant très bonne de la part de Molzy. Boubou pour l'instant là, il avait une ligne cassée mid, il fait tomber Bonne Call qui voulait probablement retenter l'infiltration en B. Il portait le spike, ce qui était un peu malheureux. Et là, Evita, 30 secondes, ils se font push de partout. Mixwell qui n'a aucune hésitation. Il le fait tous les rounds, hein. Il le fait quasiment tous les rounds, Mixwell. Hein. Refermer les espaces. Amova, il a pas bougé hein, de sa ligne encore une fois. Ouais. Et ben, quand tu tues Mixwell, tu te dis ah le C est peut-être libre. Ben non, il y a encore Avova qui gagne beaucoup de temps, qui va essayer de se sortir de là avec un TP et qui arrive du coup à faire du 1 pour 1. On est sur du coin clutch pour Molzy qui va planter. On va lui mettre reveal dans la smoke. Il débloque son ult, hein. Il débloque son ult, Molzy là-dessus. Donc il y a peut-être un coup à jouer justement. Il l'a allé le mettre au niveau du spawn. Mais ouais. Kellogg, encore une fois, intervient dans le dos. Il avait raté son coup de sniper hein, sur le round précédent. Mais cette fois-ci, aucun problème. Il s'est appliqué. C'est le cinquième round pour Heretix après la pause tactique Vitality. Ouais, c'est vrai que les Heretix, ils font ça bien à chaque fois. Alors quand c'est du C, t'as Kellogg qui arrive dans le dos avec son opérateur. Quand c'est du A, il y a Mixwell qui arrive dans le dos. T'as toujours un mec qui flanque et qui va permettre d'assurer déjà que les mecs sont enfermés, qu'ils peuvent pas repartir. Qui va être sûr qu'il n'y a pas de coupe non plus. Et qui a quasiment à chaque fois un kill hein, depuis le début, donc c'est assez monstrueux. Ouais, les open kills hein, de Kellogg qui pose un gros problème, tu l'as mentionné rapidement, mais ouais, les infiltrations de Bone Cold, tu l'as dit, il va pas pouvoir le faire à tous les rounds, et cette fois-ci on l'a vu, il est complètement géré, et chaque joueur semble solide individuellement côté Heretix, donc forcément, ça s'envole au score. Ouais, très convaincant leur défense d'Aven pour l'instant. Un peu répétitif dans les positionnements, hein, honnêtement. Alors là, Killjoy garage, Avova en C. En A, on a Kellogg et Weber. Ils changent pas trop le setup, en fait, à part un peu du côté de la Killjoy et de ses pièges. Et ça marche. Vita qui essaie d'accélérer du coup dans la short désormais. Peut-être pour utiliser ce premier confinement, c'est vrai qu'il y a des ultimes, j'ai l'impression qu'ils sont pas très très bien cyclés côté Vita. La nouvelle décale de Kellogg dans cette short. Attention à la Jett déjà à droite qui pourrait surprendre. J'ai l'impression qu'ils vont pas être naïfs, hein. Voilà, on se concentre sur la longue pour Kellogg et il va ouvrir sa ligne petit à petit. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Bone Cold? Oh, le flick shot sur Bone Cold! C'est élégant, c'est rapide, c'est Kellogg et il a débloqué ses coups d'œil et il se repositionne, il en fait pas trop. Je vais dire un truc un peu étonnant, mais je trouve que Vitality joue trop scolaire. Ils font du ligne par ligne, un stuff par corner et tout. Et Kellogg, il adore ça, il peut jouer un peu.
entre les différentes capacités pour essayer de se battre. Attention du coup à la tentative de passage A de la part des Vitality. L'arrivée ne détecte personne. Pourtant il y a bien Boo backside. On avance tant que les joueurs reculent comme la Killjoy. Kellogg et Boo qui font leur kill respectivement. Et c'est un massacre quadruplé pour Kellogg à la défense de ce site A. Ouais, bon bah faut s'il y a un joueur qui est pas libéré, Twisted très bien, il a ses chaînes. S'il y en a un qui les a brisés depuis le début de la game, c'est bel et bien Kellogg. Hein. Il fait ce qu'il veut, il est responsable de quasiment tous les open kills pour Heretics, et pas que les open kills, on l'a vu, la quadruplé. Tu l'as dit, hein, il joue un peu comme il veut, trop scolaire, Vitality. Ouais, là, il faut vraiment qu'ils surprennent un peu. Là, genre, ils étaient en light buy avec des Stingers, et t'as l'impression qu'ils font une game de 12-12 overtime ultra tendue, avec voilà, la réplique pour le corner, les joueurs qui avancent, etc. Très minutieux, alors que t'as un Kellogg qui, depuis tout à l'heure, fait tout pour briser ce genre de style de jeu, en abusant de son perso, en abusant des dash et des smokes. Là, Vita, il faut un peu de folie dans leur jeu, sinon ils vont se faire massacrer. Bien, surtout que ouais, il y en a un qui a la confiance, hein, c'est Kellogg. Ok, tu l'as dit, un peu de folie, voilà, changement de rythme, on va prendre le garage et on va accélérer sur ce C assez rapidement. Fureur du chasseur, bonne call qui se fait choper directement, belle réponse de la part de Weber, surtout qu'il trouve des dégâts encore sur un autre joueur, Mixwell, qui envoie directement son confinement. On n'a pas pu amorcer le spike, on tente de le faire. Sender rétablit la balance en trouvant l'élimination sur Boo, 4v4. Ouais, le confinement, il va réussir à le détruire. En fin de compte, lui-même va claquer le sien et tenter de le tenir, mais Mixwell détruit les nanites l'une après l'autre. Le duel de Killjoy, alors, il est bien aidé quand même côté Heretics, là où Thunder est solitaire, il en fait un, il était pas lent du deuxième, mais c'est trade. Le confinement va être détruit une fois de plus, c'est du 3v3. 3v3, il y a deux joueurs coincés au niveau de ce QB. On va toucher le spike, on va prendre la moitié, en tout cas pour Kellogg. On va envoyer l'ultimate de la part de Mozy, mais la moitié elle a été prise. Du coup c'est pas mal là pour Heretics, surtout qu'on peut punir personne sur cette ultimate. Et la coupe de Twisted qui trouvera l'élimination sur Weber. Et on continue de désamorcer, on va stick jusqu'au bout. On stick jusqu'au bout et ça passe pour Heretics. On a pas des câbles pour Vitality. Oh c'est catastrophique, ça fait un 7ème round pour Heretics. Et Kellogg qui survit avec son sniper et qui tue quasiment tout le monde avec des fast cops. Moi ça ne marche pas chez moi les fast cops. Expliquez-moi game de Kellogg pour l'instant qui a 16 kills et qui est partout. Donc ça c'est quoi? C'est le stun qui avait permis d'accord de choper Bone Cold qui était complètement ralenti. Des énormes dégâts à longue distance pour Weber et son Sova. Le trade et la destruction des deux confinements au niveau de ce garage. Et voilà, Kellogg est jet. Il smoke, diffuse la moitié. Il re-smoke pour son coéquipier qui va finir le boulot en le couvrant à la perfection. C'est un gros round critique sur l'instant. Et le changement de rythme de Vitality qui a été récompensé, en tout cas ils ont été dangereux sur le round, ça suffira pas. On est reparti. C'est une équipe qui peut réinvestir. Ce sera potentiellement le dernier avant de devoir passer en économie. Et ok, on va avoir un jeu groupé, une exec, enfin, oui, une exec sur le site B, a priori. Ouais, le B a essayé d'exploser, de planter, de jouer de loin. C'est une possibilité. Avec un contre-temps garage, non, c'est le drone, on fake un split C, sauf qu'il n'y a pas trop de smoke en C pour mettre la pression. Avova ne panique pas plus que ça. On a quand même des petits dégâts ici avec une flèche bien sentie. Et du coup le B il est investi, à vrai dire, voilà, il y a juste la nanite qui est déjà détruite. Ok, amorçage, on se prend l'ultimate, voilà, on empêche l'amorçage du côté de Vitality. Et maintenant on peut pas amorcer le spike, est-ce qu'on fait quelque chose du côté d'Heretics? Non, ok, on recompose le round pour Vitality, improvisation au niveau de ce garage, mais on sera repéré par un alarm bot. Est-ce que Mixwell va pouvoir prélever? Ouais, il y a un peu trop de joueurs, il s'en sort, il retourne à la start, il se pose sur la paranoïa, il trouve un doublé! Oh là là, c'est catastrophique, et Boo qui l'accompagne, vengeance de la part de Molzy, mais là le mal il est déjà fait. Est-ce qu'Avova peut réagir et terminer ce round? En tout cas, on a réussi à prendre l'espace sur le site, mais il y a du monde, il y a déjà des joueurs Heretics présents. Ouais, ouais, Burk qui en chope un, et Molzy complètement enfermé. Alors je pensais qu'on pouvait avoir un match serré, mais alors un stomp d'Heretics sur la map de Vitality, j'avoue que c'est une surprise pour moi. Mais là il n'y a pas photo, hein. Les Vitality sont anticipés, Heretics ont l'ascendant stratégique, l'ascendant individuel surtout, c'est ça qui est inquiétant. Normalement Vita au niveau de la composition, individuellement, ils doivent tenir plus que ça. Et là j'ai l'impression que quasiment chaque joueur d'Heretics est juste supérieur quoi, Mixwell ouais. Trop fort. Hein. Et puis même hein, genre niveau teamplay, Heretics c'est là quoi, les combos là on l'a vu, hein. Le round d'avant c'était, tu le disais, ligne de fracture et l'ulti du Sova, là c'était la même chose. Il y a eu la paranoïa pour permettre à Mixwell de redécaler dans ce garage et de trouver un doublé. Enfin, il y a beaucoup de petits setups qui fonctionnent extrêmement bien pour Heretics. L'ultimate sur l'amorçage pour empêcher l'amorçage. Ouais, c'est dur, hein. On est dur. Fatigué, là. Un peu plus. Heretics, en tout cas, qui continue de croire en ces chances de qualification. Leur destin est en partie entre leurs mains. Donc, et là, ils sont vraiment en train de. Et bien de faire très peur à ces Vita, de leur maintenir la tête sous l'eau.
Echo pour Vita, sauf pour Twisten qui a forcé, qui jouera probablement Kunai dernier round en cas de besoin. Et on essaye de passer garage. Le stun est bon. Attention au timing ici. Bonne call, qui a un sacré timing sur Mixwell. Je sais pas trop ce qu'il fait Mixwell, mais voilà. C'est directement compensé par les Heretics avec le sniper et les doubles, la double défense du C. Et Vita qui est lu encore une fois. Ils sont lus et anticipés. Ouais, la paranoïa pour repousser, empêcher la prise d'espace. Et on reprend la ligne. Du côté d'Amova, le dash il est là. On se concentre sur le deuxième joueur évidemment. Pour Amova, est-ce qu'il va pouvoir prélever? Non, voilà, il tente un shot, se repositionne. Il est encore dans l'équation. Il se prend prélever tout de même par Twisten qui débloque ses kunai. Twisten qui réajuste et qui élimine Bou. Ça pourrait être un autre Twisten qui continue son office. Kellogg dans le dos repéré. Qui trouvera finalement l'élimination sur la jet. On peut avoir l'avantage de Spack. Ça passe pas loin pour Kellogg qui s'approche dangereusement. Il peut switch sur une fantôme. Oh, ça devient dangereux. Il a repéré le premier joueur. Ils sont acculés, ils sont loin. La double décale pour Vitality. Enfin, un troisième round. Voilà. Ah, les Vita qui débloquent un round, mais dans le chaos le plus total et avec un Twisten qui se réveille, les kunai, le double updraft pour double kill. Ils n'étaient pas censés le mettre celui-là quand on voit eh bien, comment ça s'était passé, hein, aussi bien dans le garage que dans la longue. Il y a eu des trade kills globalement. Et voilà, il faut une impulsion de Twisten qui en fait un kunai directement, le kill et cet updraft pour punir au spawn. C'est ça qui leur donne une impulsion. Et comme d'habitude, hein, Kellogg dans le dos, il en fait un. Il n'était pas loin, franchement. Mais le 2v1 était un poil trop difficile. Et si Bonecold peut prendre un kill, c'est qu'il fait confiance à la ligne de sniper d'Avova sur les caisses au niveau du site. Et ouais, Avova n'a pas la ligne complètement ouverte. Du coup, Mixwell, il se fait punir un peu pour rien là-dessus. Et oh non, non, Weeper. Une petite pause technique là. Oh non, Weeper. Oh, la première de la journée, ça m'avait manqué. On a fait 25 minutes avec Binet hier. Je me demandais à quel moment ça allait intervenir. C'est donc là. Ok. Bon, on espère que ça durera pas longtemps. Oh, j'ai des flashbacks de Heretics Koi vendredi dernier là. Ah mais je suis pris de tremblement. Écoute, on en a eu beaucoup hein, des technicals. On n'a pas toujours les infos du pourquoi du comment, mais écoute, une de plus, hein, on a l'habitude maintenant. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Bah, une domination de réelle domination de la part d'Heretics, que ce soit de manière collective ou individuelle. Il va falloir un vrai réveil de Vita, aller chercher le dernier round pour espérer qu'il se passe quelque chose sur le second side. Puis on le rappelle, hein, c'est le choix de carte Team Vitality. Le second, c'est Lotus, une carte où la seule carte où Heretics a plutôt des résultats convaincants. Donc attention pour Vita. C'est ça. Vita qui bon s'accroche au moins. Et là, ils ont un dernier round dans le side qui pourrait leur permettre de continuer à remonter un peu, mais c'est clair que le visage montré semble insuffisant. Tu vois, je parlais justement de cette capacité à aller au playoff et d'être dangereux, et j'ai surtout parlé de l'inconstance de Vitality. Un joueur capable d'inquiéter les meilleurs et l'autre complètement transparent face à des équipes plus modestes mais dangereuses. C'est vrai que Heretics joue bien. Heretics a rarement aussi bien joué d'ailleurs avant que dans ce qu'on voit ici. Ils sont juste dans les réactions, ils sont juste individuellement. Donc c'est clair que c'est une des meilleures versions de Team Heretics que Vita affronte aussi. Oh, let's go. On nous montre les images du jeu, le timer ne redémarre pas, mais j'imagine que on devrait être bon. Oui, on est reparti, c'était un petit problème, on a eu chaud. Allez, dernier round de ce premier side, et on est reparti. Hein. Les deux équipes évidemment peuvent acheter, Twisten qui sort le sniper, nouveau duel. Pas du tout pour Kellogg, mais il va reprendre la ligne au niveau de la short. Alors mid, pression garage, téléportation en backup du coup de Avova, pardon, qui était en A, me semble, et qui s'est replacé tout de suite beaucoup plus proche des Vita qui sont prévisibles. Premier degré en train de split le C, et c'est Bonecall qui montre l'exemple. C'est Bonecall qui ouvre, heureusement, Sender couvrira l'arrière-garde au niveau du garage pour intercepter Bou. On s'installe sur le site en McMahon, il y a du monde au niveau du spawn, mais ils vont laisser le site libre. Est-ce qu'on a des ressources pour reprendre côté Heretics? Non, on n'a pas d'ulti. Hein. Est-ce qu'on peut punir Sender sur la reveal? Oui, c'est fait. Pour Mixwell, là, c'est bien joué hein, sur le drone. Et justement, on débloque le confinement. On va devoir repousser les joueurs. Bonecold qui tient face à la Killjoy Heretics. Et ouais, on est tous repoussés dans cette longue pour défendre ce spike. Ouais, ceux qui sont déjà du coup là en train de smoker et de désamorcer. Avova qui fait la moitié. On a encore long sismique qui arrive, mais un poil trop tard. Et la moitié on va remettre des smokes, c'est ça exactement. La reveal est bonne. On s'est rapproché du coup pour Twisten qui va être sur le spike. Mais la one-way du jour, ça défaveur. On essaie de retoucher pour Avova qui désamorce, mais il est tué à travers la smoke. On le comprend. On switch au shorty pour les deux côtés. Et c'est Destrian qui prendra la dernière élimination. Ce post-plant passe enfin pour Vita. Oh, le chaos de fin de round, ça a fait des traversées de smoke, des chemins de smoke pour accéder à ce spike, et ça tire pour Vita. Ils en avaient besoin de ce quatrième round pour espérer justement créer quelque chose sur le second side.
Mais bon, hein, voilà, premier side convaincant pour Heretics. Hein, Kellogg qui est très très chaud dans sa game, responsable d'énormément d'open kill. Pour moi, Mixwell ici joue mal. Hein. Mixwell qui a réussi à trade son coéquipier garage en suivant le drone. Et là, il met son confinement et il se donne quasiment immédiatement. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'avantage particulier sur la reprise pour les Heretics. Mais voilà, ça profite à Vita qui finit sur une bonne note le premier side. Exactement, et on va peut-être avoir une petite interview on stage. N'a pas le son, donc j'avoue que... I think a legend will be an understatement, Mitch and Tom, but that is right, I'm joined by Gobby. Gob, welcome to Messe Berlin. Are you having a nice time here? It's your first time here watching VCT EMEA live. Yeah, it's the first time here and I'm really enjoying the show. Haven't had the time before. Now, like, the season is ending for us. I definitely wanted to come and you guys helped me out to come here. Oh yeah, well, we invite you back for playoffs as well. Now, I know you're here for one reason and one reason only. Your boy over there, Twiston, your former teammate here, fighting for a life, for a chance in playoffs. How proud are you on what he's been able to achieve so far this year? I mean, a lot of coaches and also like IGLs asked me about him, like, should we pick him up and all the stuff, and I was always talking highly about him. And he makes me very proud seeing him here and cheering for him. Hopefully he will play a little bit better on the CT side now, but I think I'm pretty sure he will. Yeah, you think he's going to be able to come back into the game? What do you think he needs to do as a Jet player as well on defense here? I mean, he needs to do the same as Kellogg's did. I think he controlled A very well. He was not afraid. He made a lot of good decisions. He was holding off his dash a long time, so he played a lot of pressure on the other side of the opponents, and I think Twiston can do that as well. He just needed one round to ignite him a little bit, like the knives round that he had. So he's ignited now, and I'm pretty sure he will do it as well. I mean, he's got the God B buff, so I think he can definitely I hope come back. So far not that big of a buff, but let's hope it comes. We'll see. Thank you so much, God B, for your time, and I'm going to throw this back to Tom and Mitch and see if Vitality can indeed make that comeback. On est reparti ici dans ce deuxième side avec Gobby qui a pu répondre à quelques questions. Lui qui est un membre historique de la structure Big, qui a fait un peu de CS, qui a fait un peu de Valo, qui est de retour sur CS et qui vient voir son ancien coéquipier Twiston jouer. Twiston qui est un peu en galère mais qui va avoir un peu de contact ici sur son A, qu'il joue d'ailleurs tout seul. Il a vu la prise longue et il se recule assez sagement. Tiens donc, on jouera une retake en A pour Vitality sur Haven. Aucune surprise, on essaiera de prendre un kill, j'imagine, du côté de Twiston sur la prise BP, et elle va partir justement voilà, avec la reveal de Weber. Kellogg qui va se propulser, j'imagine, dans sa smoke dans quelques secondes. Voilà, ça va être fait sur la ligne de fracture. Non, ok, très bien, il y va, nature, pas de problème. On a repéré deux joueurs au niveau de ce spawn. Et le site est acquis, l'amorçage aussi. Ouais, Stender a cassé la tourelle dans le dos, et c'est ce qui fait que Mixwell est concentré sur le fait de garder le back, avec le Omen aussi, hein, juste cette petite pression qui devrait fragiliser un peu le setup de retake, enfin de post-plant surtout, des Team Heretics. On y va, sur la paranoïa, ça saute de la hauteur, ça va stun, on a du contre-surf, c'est Twiston qui fait du 1 pour 1 pour l'instant. Au niveau du site, on déloge Kellogg de sa position, et voilà, les joueurs sont au moins, ils sont dans la short avec cette réplique qui va faire de gros dégâts et pousser Avova avec 40 points de vie au fin fond de la short, qui s'en va d'ailleurs encore plus loin en se faisant littéralement couvrir dessus. On n'est pas encore en train de tuer Spike parce qu'il y avait des nanites, il me semble. Bonkol qui désamorce, Bonkol qui va tenir la moitié. On va se rapprocher depuis la short, mais on désamorce sans s'arrêter. On doit cancel au dernier moment. Bonkol qui en fait un, il retouche. Il n'en fera pas deux secondes, pardon, puisque Avova va courir et s'imposer. Oh, le round chaotique là, la fin de round chaotique sur la retake. Bah ouais, c'est de la retake sur Haven, tout le monde se bat en un instant. Et finalement, c'est au niveau de la short que ça s'est joué, de la réussite dans la smoke hein, pour tuer le désamorceur. Ça se joue à rien, je crois, Weeper, hein, à moins d'une seconde. En fait, non, et c'est Bonkol qui a arrêté. Il a arrêté? Je pense qu'il aurait pas pu tenir d'une seule traite, mais quand il a vu tous ses coéquipiers mourir et des joueurs rentrer dans sa smoke aussi, il a fini par cancel pour trade, tant bien que mal. Et du coup, ouais, bon, bah, beau travail des joueurs qui ont su rester insaisissables le plus longtemps possible. Et là, bon, Molzy, c'était pas lui qui désamorçait, c'était vraiment Bonkol qui a cancel okay, pour rien en fait. Ah, ouais. Il y a cancel pour tuer Mixwell, pardon. Allez, un pistol pour Heretics, ça sent pas bon là. Pour Vita, ouais, on touche, on avait un petit shield du côté de Bou qui lui permet d'être encore en vie. Parce que, ouais, Kellogg s'est déjà passé au niveau des briques. Et j'ai l'impression que Liston n'est pas du tout conscient de ça. Heureusement, Kellogg n'aura jamais décalé, mais il tente sa chance à travers Smoke, les deux jets.
qui se tire dessus d'ailleurs sans se voir, et c'est Kellogg's qui prendra une petite balle de Marshall. Ouais, on a un petit achat proposé par Vita pour être dangereux. Il y a des dégâts qui ont déjà été trouvés. Il y a déjà deux joueurs morts-vivants côté Heretics, donc il y a réellement un coup à jouer. Ok, on se regroupe maintenant pour Heretics après la pression mise en A pour exécuter sur ce site C. Ils seront attendus. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce Marshall hein, qui peut faire très mal dans les mains de Sender. Marshall qui paye, encore des hits qui sont mis. Bonne colle de Shérif, donc il suffit d'une balle de Shérif sur le joueur déjà atteint pour que ça passe. Il est en bordure de réplique ici et ça redirige encore une fois pour Heretics grâce à Mixwell qui s'infiltre sur le B à l'image de Bonne colle un peu plus tôt et qui rappelle sur lui ou qui rappelle en A. Il tombera en faisant un peu trop. Ouais. Ouais, il en fait trop, il y a beaucoup de joueurs face à lui et là il y a 3 joueurs low HP maintenant. Il peut sentir bon ce route pour Vitality. Ouais, on a accès à ce site, mais Twiston il est déjà là. Il est déjà là prêt à réagir, il n'est pas imaginé, mais il se fait éliminer par Avova tout de même. Oh, ça c'est vraiment dommage. Tous les joueurs Heretics sont low HP, on va pouvoir s'octroyer l'amorçage de Spike et ouais, on force son duel pour Avova. Il se prend un gros one tap, toujours une situation de 3v3. On a les armes pour Heretics, mais pas les points de vie, surtout que Sender continue son office et élimine finalement Kellogg's. En train de le faire. Attention du coup à vous sur le site. On perdra Weber avant toute chose et on se trade sur le site pour permettre une économie côté Vitality. D'excellents dégâts ont été proposés tout au long du round avec déjà des dégâts grattés dans la longue en A, puis des dégâts grattés dans la longue en C. Sur le B, on a un peu peur, mais on punit Mixwell qui en fait trop. Et après, tous les joueurs croquent sous la dent. Voilà, des petites balles de Marshall, des petites balles de Shérif suffisent à les éliminer. Et c'est ce qui permet ce round d'écho qui passe pour les Vitality. Ouais, quand tu les vois groupés se diriger vers la double ligne en C, tu te dis ouf. Ça sent bon pour Vitality, il va se passer quelque chose. Et ouais, t'as bien résumé le round, c'est ce qui s'est passé. Bonne call, il a mis des belles saletés quand même là, dans le mid avec son shérif. Ok, ils en avaient besoin Vitality, on reste dans la course, on inverse la tendance économique. Et oui, maintenant c'est Heretics qui est en écho avec 4 shérifs. Donc ce sera un round armé pour Vita bien entendu. Avec du coup la décale de Twiston sur un stun, c'est tout simple. Et c'est un bel open kill, voilà, ce que Twiston va pouvoir... répondre à la même hauteur que Kellogg's tout au long de ce set de défense. En tout cas, ça commence pas trop mal. Les Heretics qui jouent un peu la map entière. On voit que ça tente le C, ça tente même un peu le garage, un peu le B et un peu le A. Et voilà, ça permet de au moins faire perdre un peu de stuff. Des flashs par exemple qui suffisent à Twiston à enchaîner les kills. Twiston triplé au total, ça allait extrêmement vite. Et à chaque fois qu'il y a une élimination, il y a un soutien quand même de la part du Breach qui est toujours derrière ces kills. C'est un headshot la troisième. Qu'est-ce qui s'est passé? La fantôme est la meilleure arme du jeu, on le rappelle. Flawless pour Vitality. Remontrez-moi le troisième kill là, j'ai envie de le voir. Ouais, bon, Flawless, un très bon round pour Vita. Twiston qui commence à se libérer aussi individuellement. C'est ça, c'est ce dont Vita a besoin. Montrez-moi le troisième là. Okay, en fait, c'est important de comprendre que voilà, derrière chaque kill, il y a Molzy. Là, c'est le stun. Là, c'est la flash. Et même sur ce dernier nick, ouais. En fait, il prend un headshot aussi. C'est pour ça, il y a le aim punch. Mais moi, ça me choque pas. Oh, tranquille. Voilà, un peu de réussite aussi. Hein. Voilà, il faut. Hein. C'est Weber qui s'est pris ça d'ailleurs. On l'a vu un peu mad. Il a pris la foudre. Right there. 9-6. Allez, vrai premier round armé de ce second side du coup pour les deux équipes. Attention, jeu très agressif sur l'extrémité A. Pour l'instant, pas de premier contact trouvé, mais Twiston qui s'avance déjà au contact. Il va se prendre une flash. Ah ouais, mais il y a un TP gratos là, premier kill pour Twiston. Les joueurs s'alignent, mais ça tient pour bout. Ouais, il a quand même réussi à faire de bons dégâts sur bout et sur Kellogg's, ce qui devrait profiter aux joueurs fantômes et même Bulldog hein, chez Vitality. On continue de confirmer du coup la présence de nombreux joueurs en A et là la paranoïa est prête. On va se battre dans la short si quelqu'un s'y présente, peut-être Weber avec son drone. Ouais, moi je l'ai repéré, mais il y a un second joueur qui est là qui est invisible. On utilise l'ultimate pour pouvoir passer sur le site et Destrian qui tient justement face à Weber. Mixwell qui éliminera finalement Mosby et Destrian qui était invisible dans cette short va chercher son doublé et il est toujours vivant. C'est une épine dans le pied. Ouais. On va pouvoir amorcer ce spike. La reveal elle est bonne, on sait où se trouvent les deux joueurs. Il va être rejoint par un autre coéquipier. Oh, c'est chaud là, c'est chaud pour Heretics. Thunder il a tellement vite et Destrian fait un triplé pendant que Bone Cold s'occupera du dernier kill. Excellent rune bonus en quelque sorte des Vitality avec du coup des open kills. Cette reprise short qui permet d'aller chercher Weber qui passe vraiment un sale moment et puis voilà le flank de Sender qui arrive avec Destrian pour être en double ligne dans la short. Tout est parfait pour l'instant. Ouais, Destrian qui est vraiment invisible grâce à Molzy. Hein. Molzy il s'avance, il détruit le drone, il repart et du coup bah ouais, le bon Destrian ça croque hein, sur le premier kill. On voit un Destrian qui surprend complètement Weber et qui tient face à Mixwell. Hein. C'est vraiment les deux kills ultra importants. Ok, Vitality qui est clairement encore dans la course là en défense. Est-ce qu'on fait chuter les Heretics en économie? Oui, effectivement. Ce sera du shérif et une guardiane pour Weber pour essayer de créer du danger.
Et Twisten qui sort son premier sniper de ce side. Ouais, il est pour l'instant en C et je crois pas qu'il va avoir de l'action tout de suite. On va prendre cette longue en économie pour Heretics, en plaçant notamment Book qui a le spike. Il faudra se méfier de ce genre de petits détails. Et le contrôle est en cours. Ouais, contrôle map pour Heretics, ça bouge pas. Ça va durer encore quelques secondes avant que les joueurs se regroupent. Et on ne cherche pas à tâter. Hein. Côté Vitality, pas de prise d'espace, on est en réception. Finalement, on va... Bonne call qui va renforcer un petit peu ce site A. Mauvaise pioche, puisque c'est le B hein, qui va être ciblé très rapidement. Voilà, le B en économie, ça reste un classique. Attention au setup Killjoy, hein, qui pourrait quand même faire pas mal de dégâts. Mais voilà, l'excellente flèche mise par Weber permet de nettoyer un peu la zone. On s'y installe et c'est Kellogg's qui va tenter l'impossible. Il esquive le stun, il fait tout ce qu'il peut. Il est jamais très loin, honnêtement. Des bons dégâts, mais il tombera. Dommage. Avec notamment la fureur du chasseur de Destian et le spray de Bone Cold pour le choper. Attention, 4v5, c'est planté pour le B en serre placé. Oh, jeu de patience là entre Avova et Mixwell qui va utiliser son confinement dans la short pour vider totalement ce site B. C'est plutôt bien joué. En tout cas, forcer la retake Vitality. Ok, on va prendre la moitié. C'est des amorces. Il s'impose contre Bou. On désamorce. On a pris la moitié. T'as raison, Weeper. Destian qui tiens, Mixwell qui trouve l'élimination et on n'a pas lâché le désamorçage pour Vitality. Ouais. Voilà comment on va trouver la solution face au confinement. Et bah, on désamorce. Ouais, on a désamorcé le jeu de traite. En même temps, on sait qu'on était déjà en 5v4, qu'il y a ce joueur short qui est hors de position. Il y a un mec garage qui se montre qui est lui aussi hors de position. Donc, on est 4 sur le site côté Vitality et c'est ce qui leur permet de désamorcer en se couvrant. Mais franchement, ce confinement là dans la short pour post-plante, c'est extrêmement bien joué puisqu'on a vu qu'il n'y avait aucun moyen de le détruire du côté de Team Heretics. Donc, ouais, call exceptionnel, mais Vita s'adapte et réagit à la perfection. Ouais, du coup, ça coûte cher hein, d'avoir utilisé ce confinement côté Mixwell parce qu'on remporte pas le round, on était en économie. Ça aurait pu peut-être être utilisé sur un autre point, mais tant pis, c'est comme ça. Et pause tactique côté Heretics qui maintenant est mis en difficulté, hein. Ça se passait très bien pour eux depuis le début de la game. Maintenant, ils se font recoller au score. Attention, Vitality est dans le rétro. Ouais, c'est vrai que ça va vite, hein. Le changement de mood, le changement de mentalité est clair. Les Vitality ont retrouvé leur élan, ils se faisaient un peu marcher dessus, ils étaient un peu désorganisés. On ne savait pas où était le problème, quasiment. Et là, bah, on change de côté, les rôles s'inversent, Vitality est impeccable, ils font les open kills, ils rotent bien, ils ont de la lucidité sur les retakes. Et on revient quasiment à l'égalité, en effet, et c'est encore une fois l'économie aussi qui s'équilibre. Alors, Vita est loin, mais en tout cas, c'est un round armé pour Heretics. Ouais, ils pourront racheter encore deux rounds de suite, je pense, Heretics, là, il y a des petits excédents encore. Donc, ils pourront être dangereux. Allez, on est reparti, Weeper, après la pause tactique Heretics. Est-ce qu'on va trouver finalement une solution? Et j'ai l'impression que ça va être une rapide au niveau de ce site A, peut-être un changement de rythme. En tout cas, voilà, on propulse Kellogg's sur son dash. Il y a les premiers contacts. Pour l'instant, ça va être Molzy qui va essayer de gérer tout ça avec Destrian. Mais ils sont déjà en contact. Hein, le dieu est important. Kellogg's qui s'applique pour le doubler. Voilà comment on prend les espaces. Voilà comment on trouve une solution. On envoie Kellogg's. Ouais, surtout qu'on a déjà smoké Bone Cold qui ne pourra pas profiter de son effet de surprise ici. Je pense qu'il est si hauteur, c'est parce qu'il s'attendait à un TP d'Avova. Et c'est pour ça qu'il start hauteur A. Mais là, bon, il est juste. Bah, battu, hein, hors de position et battu par la prise d'espace de Kellogg's qui a été monstrueux, one tap puis deux balles. C'était très solide, hein. Ouais. Il s'est vraiment appliqué Kellogg's, c'était vraiment très fort. Bone Cold qui trouvera un petit kill sur Kellogg's tout de même, attention le doublé de Bone Cold face à Boo. Mixwell compense face à Sender, on conserve cet avantage numérique, surtout que Bone Cold et le HP, mais ils vont jouer à la paranoïa. Elle est bonne, on prend plus justement Twisted grâce à cette paranoïa, Avova qui se fait éliminer, on touche le spike et ça devient dangereux, hein. 2v2, on a les kunai et Twisted qui élimine Weber. Oh, ils sont en train de retourner le rune et on comprend où est Mixwell, on sait qu'il est dans le dos et il sera marqué, ce n'est pas Bone Cold qui se loupe. On a pris la moitié, on stick jusqu'au bout, non on va switch, c'est les kunai de Twisted et on pourra désamorcer ce spike. Oh mon dieu, Kellogg's avait fait tout le boulot et on s'effondre pour Heretics. Pour qu'on nous montre cette nanite ratée, hein. S'il y avait un petit repère de nanite, je pense que Mixwell aurait quasiment pu assurer la fin du round, ne serait-ce qu'au temps. Mais quelle reprise de Vitality! Ils sont battus par Kellogg's. Kellogg's qui en fait un peu trop, il se fera choper par Bone Cold sur la fin de la smoke. Bone Cold qui en fait un moins 2 d'ailleurs depuis la hauteur. Et puis Mixwell qui a une hésitation en fait. Il fait un kill de coupe en B qui est exceptionnel. Il commence à repartir, puis en fait il revient en B. Et on l'a bien vu, il est hors de position sur la fin du round et c'est ce qui l'oblige à jouer. Et à se précipiter en fait sur un Twiston qui clairement s'est réveillé. Ouais, il est bien aidé par Bone Cold hein, aussi sur la paranoïa pour le premier kill. Mais oui, un Twiston, ça y est. Les chaînes sont rompues et on est déjà reparti. Hein. Et on retourne sur ce qui a marché. Hein. Kellogg's à la charge. Il sera encore une fois mis
En opposition face à Molzy, cette fois-ci, on se respecte un petit peu plus, pas de bataille. Alors attention, après une bonne call, qui peut être un peu surprenante. Si on n'a pas un drone ou un petit quelque chose pour se donner un avantage. Attention à cette ligne cassée aussi de Twiston, qui joue très passif pour une fois, mais qui bouge aussi beaucoup. Et là, je pense que c'est bonne call qui pourra avoir les premiers contacts bientôt. Ouais, pour l'instant, on ne se jauge pas, ça n'a pas bougé pour les deux équipes. Ok, il y a une pression qui est mise sur ce site B. Ok, on va chercher la tourelle de Sender pour mettre la pression. Tu as raison, pour probablement retourner sur ce C ou sur ce A, puisqu'on voit qu'on a un point d'appui, hein, notamment Kellox. Kellox qui est un peu loin après. Je pense que Kellox va surtout lurk sur la fin du round, on verra. Là, la position, elle est cool. Il y a un coup d'épaule de Mixwell. Hein. Il n'est pas naïf du tout, très appliqué les hérétiques dans cette game. Et on va reprendre toutes les bonnes calls en profitant du X-ray. Il entend tellement d'informations ici, il peut dire ça repart dans la window. Il s'en fout de la tourelle. Il va choper Weber sur le repositionnement et on comprend que c'est vers le. Ah, il retourne sur une paranoïa et c'est Destrian qui peut en profiter à son tour. Vova qui récupère le spike et qui se téléporte en A. Ah, il va rejoindre. Kellox forcément, et Kellox qui prend de l'espace, il peut punir, il peut faire le round Kellox. Oh, on s'en doute qu'il est dans le coin, on l'a vu, on a vu son canon dépasser. Maintenant est-ce qu'il peut faire un miracle? Oh, on est au sortie, on lui court dessus. Et Avova se fait éliminer par Molzy. Ah, bonne call, voilà. On le présente à chaque fois comme un capitaine avec beaucoup de talent individuel. Et là franchement, il a tout senti, il a senti. Il se replace, au début il a la pression en fait, il a la pression, il se replace, mais il entend les joueurs qui repartent et il saisit son timing. Il enfonce le clou en décalant sur sa paranoïa et toute son équipe arrive de manière organique à s'organiser autour de lui en fait. C'est-à-dire que là c'est Bone Cole qui en fait un, puis un second après cette paranoïa. Donc Destrian arrive middle et essaye de le couvrir aussi tant bien que mal. Et puis après on est en large supériorité numérique, on se fait pas surprendre. Vitality qui repasse devant pour la première fois. Solide, bonne call, très très solide, ils sentent bien le jeu. Et tu l'as dit, Vitality qui passe devant, on peut réacheter pour Heretics. Mais là ça devient délicat. Hein. Ça devient délicat, surtout que la rotation d'ultimate semble avantager un petit peu Vitality. Ok, rapide C, on va propulser Kellogg's j'imagine, face à bonne call de Sender. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une élimination? Bonne call, il semble pas être repéré, surtout qu'on se fait éliminer déjà par Sender et on ne peut pas prendre les espaces. Les Vitas sont tellement prêts, ils sont 3. Ils sont 3 en C dès le début du round, ils avaient le bon feeling. Infiltration d'Avova, directement repéré par le drone, il tente le wall shot sans succès et lui-même perdra quelques points de vie là-dessus, mais il arrive grâce à ses 2 TP à s'en sortir. Oh, ça c'est dommage, hein. Le coup de sniper loupé du côté de Twisten, ça aurait pu sceller le round, mais ça ne sera pas le cas. Ok, avantage numérique trouvé par Vitality, reprise d'informations de la part de Weber, il repère quand même deux informations. Comment on compose cette fin de round pour Heretics? Ah, c'est délicat hein, là, ils se prennent pas mal de stuff. Ouais, ils sont un peu bloqués, Avova est mort vivant, Kellox n'est plus là, on n'a plus grand chose, on tente une pression B, mais les joueurs sont tellement séparés les uns des autres, au final il amorce mais ils sont que deux, on va l'empêcher avec un onde sismique, c'est bon pas si mal pour les team Heretics qui au moins font cracher ce fameux stuff. Mais là l'infiltration de Mixwell est attendue, Vita qui ne panique pas du tout. Ouais, pas naïf du tout et on sait qu'il y a une infiltration garage, hein. Ce sera réceptionné par voilà, une nanite au bon timing, Avova il a un petit point de vie, le stun, voilà c'est fait pour vous, la paranoïa dans un second temps, on sait qu'ils sont là, il y a Destrian qui est en train de refermer la marche, il va se régaler, hein. Il va faire un doublé, non, voilà. Il va en prendre un et Destrian à la finition, c'est un round parfait pour Vitality et c'est le 11ème. Ils sont impeccables, hein, là, les Vitality, c'est impressionnant à quel point ils réagissent. C'est-à-dire que bon, bah, on sait que c'est du C, au début on est 3, on les tient. Puis après Twiston comprend qu'il y a du monde qui avait en A, mais aucune panique, personne n'over rota. On claque juste un petit ulti sur le fake amorçage en B et on comprend sous le timing parfait que ça revient au garage, notamment la nanite hein, qui est activée à l'aveugle et qui permet de stopper. Stun envoyé depuis le B, décale, enfin c'est le teamplay, voilà. Ce stun, cette décale, c'est le teamplay qui se réveille côté Vitality et qui leur permet d'être de plus en plus convaincants. Ouais, ils en manquaient pas un hein, Heretics hein, sur le set défensif aussi de teamplay, on les a vus, hein, ces beaux combos proposés entre le Breach, Mixwell et Kellox. Mais là cette fois-ci ouais, c'est Vitality hein, qui reprend clairement les devants depuis un bon moment, hein, depuis le second side. Heretics ne trouve aucune solution, on espère, en tout cas ils espèrent que cette pause tactique pourra faire quelque chose, la dernière de leur côté. Là c'est le moment où dans le chat on dit mais attends je comprends pas, Haven c'est une map attaque en fait? Non c'est une map défense? Ok. Ça change à chaque fois, on ne sait jamais sur quel pied danser avec les différentes équipes. Je pense que le débat le moins clair c'est sur Lotus. Les gens savent jamais sur quel pied danser. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu vas regarder une compétition et ça va être peut-être 53% avantage attaque. C'est ça. Et après, tu vas regarder une autre région, puis ça va être 53% défense, et tu sais pas pourquoi. Donc en vrai, bon, ces pourcentages, je t'avoue que. Ça dépend des équipes.
Et puis, il y a clairement aussi des feelings différents entre de la ranked, par exemple, ce que tout le monde expérimente le plus, et ce qui se passe véritablement à niveau professionnel. Où, ça, c'est clair. Franchement, cet équilibrage des maps, il n'a pas trop de sens, quoi. Allez, Heretics, fin de la seconde pause tactique. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Ouais, c'est un achat. On pourra réacheter au suivant. On a quand même un confinement côté Mixwell. Et toujours l'ultimate du côté de Weber. Ouais, Tustin qui est stun. Ouais, il a voulu grid sa position, mais il va devoir se replier. Ok, pas de problème. Des dégâts qui sont un peu grattés. Non, même pas. On était pas loin. Et ils veulent se rebattre short, un peu comme tout à l'heure. Où c'était Destin qui avait attiré l'attention pour masquer la position de Molzy. C'était l'inverse. Ouais, enfin c'était l'idée, en tout cas ils sont deux, mais c'est surtout un qui va bait pour l'autre. C'est ça. Et ouais, même plan à proposer, et finalement est-ce qu'on change d'avis pour Heretics? Le drone. Non, on va y retourner. Drone, on voit du monde, Paranoia, il décale. On décale à deux d'ailleurs, 13, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, ouais. Molzy qui ne lâche pas son tir, on se rate par contre pour Tucson qui va sauter et manquer le kill sur Bonecall, mais enfin sur Kelox, mais Bonecall l'enchaîne en backup. Trahi par le shorty, tiens donc ouais, la ligne de fracture qui ne réceptionne pas à Vova, mais on va pouvoir s'en sortir pour Bonecold. Voilà, on va renouveler la smoke, on a pris l'avantage numérique là-dessus, surtout qu'on a une flash, voilà, on gêne totalement Bouy, il va se prendre une double décale, il est repéré, éliminé par Bonecold. À Vova, est-ce qu'il va pouvoir ajuster? Oui, c'est fait, grâce à son repositionnement sur Molzy, mais c'est toujours en 1v2 et à Vova et low HP. Ouais, avec un opérateur, bonne chance mon ref. Il va traverser toutefois, sans être vu par Bonecall, continue son avance, il n'a pas le spike, il va trouver Thunder qui a l'avantage de l'arme automatique. 12e point pour Vitality. Allez, hein. BJBJ, c'est solide Vita là sur ce set défensif. J'aime bien ce setup short, voilà. Vraiment il est cool, on sent que en fait ils le tiennent, si personne ne vient, ils vont chercher l'info avec un drone et ils peuvent quand même réagir. Et là, bon, même si Descan se fait avoir, ouais, Molzy compense parfaitement et Bonecall du coup lâche son connecteur C pour reprendre le site et aider tout le monde, c'est parfait. On voit qu'ils sont trois, hein, ouais, hein. C'est le drone de Destrian, plus la paranoïa et plus Molzy à la finition éventuellement sur une flash. Allez, c'est parti. Peut-être le dernier round déjà de cette carte d'Aven. Kellogg se propulse une nouvelle fois au niveau de la chance, ça avait fait la réussite de Team Heretics en tout cas pour accéder à ce site. Mais bon, voilà, compensation Molzy, la ligne de fracture. On va essayer de gêner avec une smoke. J'aime bien cette smoke défensive là qui permet de jouer un peu à l'intérieur et autour. Le confinement pop et on n'a pas moyen de le gérer si ce n'est un autre confinement que Sender a l'air de vouloir conserver pour la reprise. Très bien. On va accéder à ce site du coup pour Heretics. Pas de contestation possible. On a déjà un joueur qui est en train de refermer les espaces hein, dans le dos. C'est Twisten. Amorçage fait. On gêne avec des chocs d'art. Mais Bou voilà, réussira à éliminer Destrian. Dans le dos, on backup avec un opérateur. Ça va être impossible pour Twisten là. Il se fait stun en plus. Il est entendu. Et on cherche, c'est très bien fait. On tire au niveau du spawn avec Kellogg's libéré qui fait le doublé. Et là, bon bah, Sender aura même pas l'occasion d'utiliser son ultimate au final. Il en fera un. Il va tenter d'enchaîner. Il a tellement d'argent qu'il va jouer évidemment ce rune. Mais la one way et la décale debout auront raison de sa vie. De toute façon, il y a Weber qui a de quoi gérer le confinement. Donc j'avoue que côté Vita, ça va être difficile, je pense, de compter dessus. Allez, on s'accroche pour Heretics hein, qui va chercher un round supplémentaire. Un peu de réussite hein, du côté de Bou. Et puis on avait bien compris le positionnement de Mixwell. Allez, ça s'accroche pour Heretics qui vont pouvoir aller chercher deux rounds supplémentaires et s'octroyer un overtime. En tout cas, on pourra réacheter jusqu'au bout hein, pour Vita, pas de problème. Et une Odin sortie sur Molzy. Et on va réitérer le même round, j'ai l'impression, pour Heretics. Ouais, okay. Il s'en sort malgré des stuns avec la fantôme courte distance hein, qui one shot. Du coup, on utilise cette fureur du chasseur pour essayer de faire des kills, pour essayer de plier le rune. Peut-être maintenant il touche et il fera le kill sur Weber à longue distance. Un double avantage pris par Vita. Ouais, et là maintenant pour composer la fin de rune, ok, on a des ultimates, on a celui de Bou éventuellement pour faire quelque chose. Et le positionnement de Twisten, ok, on s'en doute pour Bou, on va pré-fire Twisten. Ah, c'est pas de bol. Si on prenait le kill sur Twisten, ça pouvait faire quelque chose, mais là on le sait même pas hein, qu'il a plus que 10 points de vie Twisten. Ouais. L'intuition était bonne. Et là, vraiment, ils ont un double avantage. Il y a le confinement de Sender, donc il faut vraiment call des setups retake. Pour l'instant, à part en B, il n'y a pas trop de retake proposé. Et d'ailleurs, Team Retix, il a l'air de vouloir venir en B, mais clairement, on les sent bah, un peu abattus par la situation. Ils sentent la map qui leur échappe. Là. Comment tu composes cette fin de rune? Ouais, renouvellement d'une smoke au niveau du garage. Mais c'est le B hein, qui va clairement être la cible d'Heretix. En tout cas, leurs espoirs pour finir cette game. Ils vont devoir être confrontés à la Odin de Molzy. GLHF, les mecs.
Ça y est, on va y aller. Alarm bot mis derrière du côté de Mixwell. Est-ce qu'ils y vont en déclic? Non, non, ok, il va y avoir un TP. On va pas être discret du tout. Et là, confinement. Même pas. Onde sismique, ils ont bait. Ils vont chercher le connecteur A. Et Molzy qui tue Twiston avec son stuff. Attention à la glissade. À vous voir qu'il replante au final. Mais le confinement a été investi. Un confinement qu'il va falloir gérer. Pour l'instant, Boutien. Bou qui est accompagné d'ailleurs par Mixwell. Mais là, Odin. Là, Odin, les réceptions dans ce connecteur pour le moment. Zéro personne détenue. Donc, on reprend le site. On désamorce. La couverture est en cours. Bone Cold qui ne lâchera pas pour le moment. Et qui va désamorcer d'une seule traite. Les Vitality se sont fait sacrément peur. Mais ils arrachent tout de même leur choix de carte Haven. Oh ouais, un très solide cette fin de carte de Vitality qui va chercher Haven, tu l'as dit, on ira sur Lotus en seconde carte. Nous on fait un petit break et on débrief cette carte d'Haven sur le canapé avec Ita, à tout de suite. Et nous sommes de retour sur le canapé d'analyse pour revenir sur cette carte de Haven entre évidemment Team Heretics et Vitality. Bon messieurs, au niveau des veto, c'était un petit peu ce qu'on attendait déjà de base. On a vu que du côté d'Heretics, Split est rapidement écarté. On arrive sur Haven, Vitality l'attaque et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Messieurs, côté Vitality, on a eu du mal à gérer la carte en attaque. Ouais, on a du mal à travailler les zones et à ne pas se faire voir par Kalox, à vrai dire, hein, qui, on l'a vu, est largement MVP du côté de Team Heretics, et c'est lui qui a le plus de kills globalement. 6 open, la plupart sont sur ces zones en A, hein, où il va pique encore et toujours et réussir à les tenir en respect. C'est vrai que globalement, on a eu deux équipes qui ont été tenues en échec sur leur side d'attaque. Ouais, puis Heretics aussi, il y avait des bons combos de teamplay hein, au début de la game. Hein, je pense, ligne de fracture garage, ultimate de Sova, il y a eu un bon élan de trouver. Même chose entre les Paranoia, Mixwell qui peut prendre les nombreux kills. Il y avait aussi une grosse confiance hein, côté Heretics au début de la game. Ils étaient là, présents individuellement. Weeper l'a dit, mais les ouvertures de Kalox apportent énormément sur ce premier side. Heureusement, Vitality réagit sur les deux dernières rounds et vont chercher le troisième et le quatrième round, parce que sans ces rounds-là, je pense que la carte irait pour Heretics sans trop de problèmes. Et un changement de side, tout s'inverse. Ouais, effectivement, un changement de side, la température est complètement retombée du côté d'Heretics. Et là, on a le droit à encore une fois, des Vitality qui sont en place. Et on se demandait, en plus, c'est bizarre parce que habituellement, Reaper, on se dit que Haven, c'est une map plutôt orientée attaque. C'est difficile de se concentrer sur cette défense. Et tout va pour le mieux. On a l'impression, limite, de voir la meilleure équipe du monde jouer. Alors, j'exagère, hein, mais on a vu qu'au niveau des setups de défense, couverture de cartes, etc., tout était aux petits oignons, quoi. Ouais, là où la défense a brillé, c'est aussi parce que l'attaque a eu beaucoup de lacunes. Je trouve que les prises de zone étaient un peu téléphonées, voire même trop basiques. J'ai parlé pendant un moment qu'ils étaient trop scolaires, par exemple, les Vitality dans leur attaque. Et c'est ce qui fait que Kalox savait exactement ce qui arrivait et comment jouer entre les stuff pour aller chercher ces différents kills. Donc, ouais, il y avait des prises de zone un peu trop basiques, des accélérations qui arrivaient souvent un peu trop tard ou qui étaient anticipées. Et c'est vrai que globalement, les deux équipes en attaque n'ont pas réussi à montrer grand chose, même quand elles ont eu des ultimates débloqués, quoi. Ce qui est un peu triste. Hein. Ouais. Il y a un breach, pardon, excuse-moi. J'allais dire, ils vont peut-être s'en vouloir aussi Heretics sur le round où Kalox, Kalox était un peu seul hein, côté Heretics sur la game au global. C'est moins 2, ouais. C'est quand il fait moins 2 sur l'ouverture en A, c'est un 2v4, et ils perdent le round. Ils sont encore en tête au score à ce moment-là. Ils auraient pu être propulsés au score et commencer à engranger des rounds et mettre en difficulté Vitality. Et je pense que ce round-là booste la confiance Vita et met en difficulté, en tout cas, attaque celle de Heretics. Ouais, effectivement, on a vu qu'il y a quand ils commencent à mettre des rounds du côté de Vita, c'est allé tout seul. Hein. On a vu que c'était même devenu naturel.
naturel. Hein. On avait vraiment une très bonne couverture de cartes. Sender qui tenait le cerf un peu comme un seul homme. Bonne Cold, hein, qui pour le coup est le joueur qui a eu de l'impact et en attaque et en défense. Parce qu'on l'a vu, messieurs, vous parlez des prises de zone en attaque. Bah, c'est un peu Bonne Cold qui débloque la situation. Hein. Il tente des plays un peu seul. Alors c'est rapidement puni. Mais encore une fois, ce joueur dont on parlait un petit peu pendant le pré-show finit toujours par briller à un moment donné. Hein. Donc MVP mérité hein, pour Bonne Cold, messieurs, qu'on attend du coup très fort sur la prochaine carte. Et mention spéciale pour Twiston qui s'est réveillé aussi une fois en défense et on le sait qu'on aura besoin absolument de lui sur la map qui va arriver, Lotus. Quoi. Lotus, effectivement. Selon toi, Hero, il y a une potentielle remontée sur Lotus. Qu'est-ce que tu attends de Vitality sur cette carte de Lotus? À la base, j'avais dit je m'attendais à un 2-1 Vita et Vita perd Lotus. Donc... Donc je vois bien Heretics aller chercher Lotus, mais après cette première carte en fait, je sais pas comment ils vont être mitigé mentalement Heretics parce que ils avaient la carte en main en fait. Je pense qu'ils y ont cru, ils se sont dit on va la gagner. Et là il y a eu River Sweep hein, sur la map, donc ça va dépendre de comment Heretics est mentalement, je pense. D'accord messieurs, écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir passer directement en pause. On se retrouvera directement pour la prochaine map entre Team Heretics et Vitality. Ce sera Lotus. À tout de suite.